Salut tout le monde, c'est Cristiano et dans la table, on a les gauches Jurassic World 7, 6, 9, 5, 1, Pyroraptor et Dilophosaur Transport. En bas de la boîte, vous pouvez voir qu'il y a le Pyroraptor, le Dilophosaur et un Malgone, Ellie Sattler et une garde. Puis derrière dans la boîte, vous pouvez voir comment ça ressemble entre derrière cette boîte. C'est encore une fois une voiture, cette fois. C'est une autre voiture. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a en bas là. Et puis pour finir, il y a la taille. Donc le Dilophosaur est 2 mètres haut, une version du film. Et le Pyroraptor est, oh, 1,7 mètres. Ah, on dirait que le Pyroraptor est plus grand que le Dilophosaur. Mais en fait, non. Le Pyroraptor est plus petit que le Dilophosaur. De toute façon. Toute façon, on va regarder voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes. Et de toute façon, si vous aimez cette vidéo, appuyez le like. Et surtout, si vous êtes nouveau sur ce channel, s'abonnez dans la chaîne. On est presque à 50 abonnés, les gars. Donc, j'espère qu'on va réussir à arriver sur 50 abonnés. La moitié de 100, hein. De toute façon. Hein. On dirait que Cristiano va construire un autre Lego Jurassic World Legoset. Ouais, cette fois, on dirait que c'est un pyroraptor. Un pyroraptor. Eh ben, c'est juste un raptor avec des plumes. Ouais, en plus, c'est aussi un dilophosaure. Ouais, je rappelais peut-être que je t'ai fait cracher par les dilophosaures, je crois. Si je rappelle très bien. Bon, moi, je crois que j'étais pas là de toute façon, mais genre, ouais. On va peut-être voir s'il va réussir à construire cette voiture. Moi, je crois qu'il va réussir. Mais quoi, moi, il est un peu bizarre cette voiture. Je crois pas qu'il va pas réussir dans celle-là. Du coup, on va voir. Mais je crois qu'il va peut-être réussir. De toute façon, on va voir. Donc, à l'intérieur de cette boîte, il y a un mon emploi. Bag pistes numéro 1, bag pistes numéro 2 et bag pistes numéro 3. Et celle-là, elle a pas beaucoup de pièces dans le numéro 3, on dirait. Ça a l'air spécial, ça. Puis on a le Dilophosaure et puis le Pyroraptor. Ah oui, et aussi les stickers. Donc je vais commencer à construire les dinosaures dans la vidéo, puisqu'ils sont dans les paquets, puisqu'il y a toutes les pièces qui sont là. Donc ouais, de toute façon on va peut-être commencer à construire le Pyroraptor et le Dilophosaure. Moi je crois que j'étais tombé de la table. Tu vas commencer à construire ça. Bon bah merci Red, complètement deux fois gâché à peu près des trucs. De toute façon on va construire ça. Donc on va commencer avec le Dilophosaure. C'est ce côté-là. Donc, ouais, donc voici le Dilophosaure et puis le Pyroraptor. Juste ça. Donc le Dilophosaure c'est avec ça. Juste, la seule pièce qu'il faut mettre sur le Dilophosaure c'est ça. Et puis le Pyroraptor. Regarde. Mettre à la gueule, juste ça. Et voilà. Donc voilà, ça c'est les Lego dinosaures, les deux nouveaux. On a le Dilophosaure et je crois que je suis encore tombé. Là, tu fais quoi? On dirait que je t'ai tombé comme deux fois. C'est vrai, je suis pas là. Oh tiens, c'est pas les nouveaux dinosaures là. On dirait que c'est le Pyroraptor. Eh, vous faites quoi là? Ouais, vous faites quoi, vous deux? Oh man, il peut pas rigoler aussi, l'autre? Salut, non. De toute façon, je vais m'en aller cette fois pour celle-là. Hein. Ouais, moi aussi, avant que vous m'envoyiez, moi. Et vous deux, vous va où? Ah, bon. On va voir s'il va rester ce que c'est le gosset. Ok. Donc je vais construire ce Lego set. Si vous aimez cette vidéo, appuyez le like. Et surtout, si vous êtes nouveau sur ce channel, abonnez-vous à la chaîne. De toute façon les gars, je vais construire ce Lego set et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!